Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Alors, nous en sommes à notre sixième journée de notre neuvaine pour la santé mentale et aujourd'hui, il sera question des effets de la discrimination raciale sur la santé mentale. Et qui nous est offert comme saint du jour? Nul autre que mon très très cher Martin de Porrès. Martin de Porrès qui a vécu à la fin du 16e siècle et Martin qui est mulâtre, qui est né d'une maman esclave libérée, esclave qui venait de Panama et d'un papa d'un riche noble espagnol. Il a connu jeune la pauvreté parce que le papa est parti à l'étranger et il aimait par contre les pauvres d'une manière extraordinaire, bien qu'ils avaient très peu et trouvaient toujours le moyen d'aller donner aux pauvres ce que sa maman lui demandait d'acheter pour eux. Et il a connu la discrimination quand il était jeune, quand il était enfant. Il était au Pérou, à Lima, et il faisait rire de lui. Et imagine-toi qu'il est rentré chez les pères dominicains. Mais même pour rentrer dans cette communauté-là, a fallu que les pères de cette maison-là à Lima se réunissent, qu'ils fassent un conseil spécial et qu'ils demandent l'approbation de tout le monde. Est-ce qu'on voulait accueillir un mulâtre à l'intérieur des murs de la communauté? Aujourd'hui, ça nous paraît un peu excessif, mais c'était le temps. Alors, il a vécu et quand on l'a accepté comme portier, comme celui maître du balai. Il a vraiment consacré sa vie aux pauvres. Il aimait Jésus à la folie, passait des nuits à adorer et la charité et l'humilité étaient vraiment deux grandes vertus qu'il a cultivées et pour lesquelles on peut le prier. Comme tu vois, j'aime beaucoup Martin de Porrès. Qu'est-ce que fait le racisme? Quand on considère une race, quand on considère un peuple, quand on considère une nation, quand on considère une autre religion comme inférieure à la nôtre, on commence déjà à faire du racisme. Et à la limite, le racisme, c'est un péché. C'est vraiment un péché, c'est une injustice qu'on fait subir à l'autre. Parce qu'il n'y a pas de plus et de moins dans le cœur de Dieu. Dieu nous a tous créés à son image, à sa ressemblance. Il nous a créés, je dirais, selon l'originalité de son cœur de Dieu. Alors, il nous aime tous de la même manière. Il va aimer autant un Africain qu'un Blanc, qu'un Asiatique. Il nous a créés comme ça. Qu'est-ce qu'on a à dire qu'on est une race supérieure? Sinon, l'orgueil qui peut nous animer. Et à ce moment-là, on fait un peu le jeu de Caïn et de Abel, tout simplement. Tout acte de racisme, puis tu sais, on en fait des farces, hein? Telle nationalité contre telle nationalité, telle province par rapport à telle autre province, c'est à bannir complètement. En tout cas, moi, quand je me suis arrêtée à ça, j'ai dit, j'en ferai plus de ces farces-là. C'est des farces en soi qui semblent bien anodines, mais ça garde un sentiment de supériorité à l'intérieur de soi qui est complètement faux. Et les plus grands blessés dans ce racisme-là, ce sont souvent les enfants et les adolescents. Parce qu'ils perdent à ce moment-là toute identité. C'est comme si on les traite de rien, alors qu'ils ne savent pas encore qui ils sont. Alors c'est comme de les démolir, de les redémolir, jusqu'à temps qu'on va les aplatir, je dirais. Hein? C'est terrible le racisme pour un enfant et pour un adolescent. Et c'est souvent à ce moment-là que les jeunes qui sont ridiculisés par d'autres vont se grouper ensemble, vont faire des gangs, et c'est là que la colère, la frustration vont augmenter et que les conflits, les batailles vont naître. Alors, demandons au Seigneur qu'il nous accorde la compréhension, l'accueil, que nos milieux de vie, que notre Église devienne une Église d'accueil et de paix pour valoriser nos différences. Quand on dit, ah, il y a un monsieur italien qui s'en vient, oh, les Italiens, tout, 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 tout.
Il y a un monsieur du Congo qui arrive. Ah, les Congolais. On pourrait dire, ah oui, il y a un Haïtien qui arrive. Ça, c'est un peuple joyeux. Il y a un Congolais. Ça, c'est un peuple qui a de la force et qui a connu la souffrance et qui poursuit son chemin. Si on se forçait, quand on parle d'une autre nation, d'une autre race, si on se forçait d'abord à trouver leurs qualités et à taire ce qu'on aurait de négatif à dire. Alors, Seigneur, on vient te prier parce qu'on a tous du racisme en nous. Que je comprenne la grandeur de cette erreur. Que j'aie l'humilité et la bonté de reconnaître l'autre comme mon frère. Je demande à Dieu aussi aujourd'hui, et on demande à Dieu ensemble de guérir le cœur de tous les enfants et de tous les adolescents qui auraient vécu des actes de racisme. Je te demande même de nous pardonner, Seigneur, nos propres actes de racisme, probablement de manière très inconsciente, mais ils ont été là. Et je veux te louer, Seigneur, en terminant, d'être un Dieu si créatif, de nous avoir créés tous aussi beaux, tous aussi différents les uns des autres. Rendons gloire à Dieu dans nos différences. Au revoir, bonne journée, à demain.